Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, il y en a plein, hein. Alors, j'ai pris chocolat banane, parce que vous savez bien que moi j'adore chocolat banane. Et j'ai pris mandarine citron vert. Alors, vous savez que maintenant, il faut que je fasse attention, j'ai un budget à tenir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma semaine en yaourt et en fromage. Pour ma semaine, en dessert en fait, hein. J'ai pris beaucoup de dessert, hein. Voilà, parce que je me dis, faut que je fasse attention, mais je peux pas me priver non plus des desserts comme ça. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc, Maminova. Donc, par contre, il faut que je regarde tous les concours là qu'il y a. Maminova chocolat banane. J'en ai pris un, j'en ai pris deux, j'en ai pris trois. Je croyais que j'en avais pris quatre. Je croyais que j'en avais pris quatre. C'est sûr, j'en ai pris quatre. Ah non, je me suis trompée. J'ai pris quatre comme ça. Voilà, quatre comme ça. Et trois chocolat banane. J'ai pris du feuilleté de mousse chocolat. Toujours à la belle vie, hein. Voilà. Et j'ai pris ça, j'adore. Alors, je n'aime pas celui à la framboise parce que c'est très acide, très trop acide. Mais j'adore celui-là. C'est liégeois au yaourt, lit de fraise. Voilà, je les adore. Et ce n'est pas des pots en verre, hein. Alors, pourquoi? Parce que j'ai mon pied qui s'est ouvert. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà la cicatrice de mon pied qui est horrible. Voilà la cicatrice de mon pied qui est ouverte parce que en fait j'ai eu un problème. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté un pot en verre et quand j'ai ouvert le packaging s'est rompu, s'est cassé et il s'est cassé sur mon pied. Voilà pourquoi. Donc faites très attention aux pots en verre, surtout aux emballages. Et là, j'ai pris de l'ortolan. Je trouve ça super bon. Après, j'en ai eu pour 29 euros en tout. Hein. J'ai pris du moulinet de légumes Super U. Je ne connais pas du tout. Je me dis, tiens, je vais faire une tentative. C'est bon jusqu'en quand? Ils font Super U maintenant. Alors, franchement, j'ai payé un 19. Vous vous rendez compte? J'ai pris de la levure chimique. Comment j'ai payé ça? Je sais plus. Pas cher, je ne me rappelle plus. Et j'ai pris de la farine. Alors, j'espère que la farine, 14 janvier 2023. Voilà, j'ai pris de la farine parce que je fais beaucoup de gâteaux. Je fais beaucoup de choses. Et je me suis dit, tant qu'à faire, vas-y ma fille, prends-en. Alors là, je regrette, ils se sont trompés sur un prix. Voilà, regardez, j'ai pris trois farines. Alors je regrette parce qu'ils se sont trompés sur un prix, je les payais 1,30 € les deux. J'aurais dû en commander plusieurs, mais peut-être je peux en commander encore. Comme ça, au moins c'est fait. Avril 2023, vous voyez, je vais en recommander. Et je vous ai dit, je vais faire des gâteaux, du sucre vanillé. Là pour le coup, et là j'ai pris pour 54 centimes des tout petits laits comme ça parce que moi je déteste le lait, c'est vraiment juste. Alors c'est dommage, c'est jusqu'au 9 avril, mais ça va le faire. Voilà, c'est pour faire des petits gâteaux. J'en ai pris 4 en tout et pour tout. J'en ai eu pour 29 euros avec 2,50 € de livraison. Voilà, voilà mes petites courses du jour de ma semaine. Tout ça, c'est pour ma semaine. Vous voyez, j'en ai pour 20. Enfin, tout ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève la soupe, ouais, on la garde. Voilà. La soupe, c'est pour le soir. Et puis le midi, j'ai de quoi faire. J'ai encore dans mon congélateur. Donc, je vais vider mon congélateur. Voilà. C'est pas que j'ai des problèmes, hein, c'est qu'il faut faire très attention. Voilà mes courses du jour, tout simplement. Ce matin, qui ont été livrées par La Belle Vie. C'est vraiment un vrai bonheur. Écoutez. C'est vraiment. Je vais peut-être la mettre demain, je pense. Voilà. Je vais vous la mettre, comme ça vous verrez bien. Franchement, il y a un concours là, 10 mamies, du 1er au 27 mars 2022, du 31 janvier au 27 mars 2022. Donc je vais découper tout ça et je vais regarder ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais regarder. En attendant, ce que je vais faire, je ne vais pas perdre de temps. Hop, hop, hop. Je vais pas perdre de temps, attendez. Je dis bien, je vais pas perdre de temps. J'ai pas le trépied. Je n'ai pas le trépied, j'ai pas envie de prendre le trépied. Voilà. Voilà. Et en même temps, je regarde un film sur je sais plus quelle chaîne. Ça faut la cuire.
Je regarde Yves Saint-Laurent. Je vous le recommande à 1000%. C'est magnifique comme film. C'est avec Pierre Ninet. C'est magnifique. Donc voilà. Donc il faut que je garde les emballages. Voilà. Et vous savez qu'à chaque fois, il y a un petit mot dessus. Je ronronne. Plaisir. Comment fais-tu autant entrer autant de plaisir? Voilà. Donc tout ça, bah, je vais le garder parce que je vais regarder ce que c'est. Hein. Du coup, vous savez quoi? Peut-être qu'il me faudra la référence ou il y a des QR codes partout maintenant. Alors de toute façon, voilà. Mais bon, d'un autre côté, voilà, je vais mettre comme ça. Hop. Notre vie est basée sur les QR codes. J'avais acheté ces petites caisses à Lidl. Franchement, je regrette pas du tout. J'en avais acheté trois, comme 26 en tout. Et regardez, voilà, j'ai mis mes yaourts, mes crèmes plutôt dessert, c'est-à-dire chocolat et celle-ci. Voilà. Et là, j'ai mis mon fromage. Et je vais mettre aussi celui-là. Voilà. Et j'ai du fromage pour la semaine. Voilà. Ça, c'est mes achats pour la semaine pour le laitage. Ça, j'ai pris ça pour mon fils. J'ai oublié de vous le montrer. Cappuccino noisette. Voilà. Et voilà la farine. Pourquoi elle est, voilà comme ça. La farine fluide. Et voilà. Tout ça, c'est des réserves. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce si vous aimez bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous, mes petits choux. Et bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'ai énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, ça me fera plaisir.